Bon, alors je voulais vous montrer quelque chose. Attends, je vais couper son maté. Alors, je pensais y jouer là, mais bon, je vais sûrement y jouer demain, c'est pas grave. Donc, Zombie Army 4, The Surge 2 et Sherlock Holmes Crime and machin. Bon, donc ça va être demain, enfin. Peut-être pas demain tous les jeux, peut-être pas demain les trois jeux, mais enfin voilà. Et aussi un autre, aussi une autre chose que j'ai. Et aussi une autre chose que j'ai. Ils ont enfin fait une mise à jour sur Mixer sur mon téléphone, enfin. Je dirais même, c'est pas trop tôt. Alors, donc je vais vous lire la nouveauté qu'ils ont fait à. Alors moi, je veux juste comprendre. Alors je vais vous dire l'intitulé de la nouveauté. Alors, nous testons un nouveau lecteur vidéo, n'est actuellement pas déployé pour tout le monde. J'ai envie de dire comme par hasard. Toutefois, alors c'est là où on va encore se couiller, comme d'hab. Toutefois, nous augmenterons le nombre de spectateurs dans les jours à venir. Contactez le support si vous voyez des éléments différents ou si vous rencontrez des problèmes. Alors, là où on va se faire couiller, on va rester poli, on va dire où on se fait couiller, c'est que leur nouveau lecteur vidéo. Alors, je ne balancerai pas de nom hein, parce que j'ai encore à avoir des problèmes après. Mais là où on va se couiller, c'est que ce fameux lecteur vidéo qui, d'après ce qui est marqué sur la mise à jour, va servir à rajouter des spectateurs, de ce qu'ils disent. Là, on va se couiller, c'est que comme c'est pas pour tout le monde, comme par hasard, je pense que ceux dont je ne citerai pas le nom, mais je pense qu'ils se reconnaîtront, ceux-là, bah déjà que je trouve qu'ils ont un certain nombre de spectateurs que moi je trouve pas ça mal. Mais bon. Je l'ai déjà dit, je ne me répéterai pas là-dessus. Je l'ai déjà dit, je ne me répéterai pas. Voilà. Et donc avec cette fameuse lecteur vidéo, ce fameux lecteur vidéo, bah qui c'est qui va être tout en bas de Mixer Alors sans faire ma victime, hein, sans faire mon numéro, voilà, hein. Qui c'est qui va être les grands couillés de l'histoire du truc, bah, ça va être nous quoi. Alors quand je dis nous, c'est. Alors quand je dis nous, bah c'est tous les petits streamers, quoi. On va encore l'avoir dans le. On va encore l'avoir dans les fesses, et puis. Puis voilà. Puis voilà. Comme d'hab, quoi. Donc il n'y a pas de. Voilà. Voilà. Donc c'est dans ces cas-là où on dit merci Mixeur. Merci Mixeur de nous entuber encore une fois de plus. On le dit mais on ne le pense pas. Enfin, dans mon cas je le pense, hein. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais bon, hein, on va encore bien se faire entuber comme d'habitude et puis voilà quoi. Et ça sera toujours les mêmes qui se font entuber et puis
Et ben, ça sera toujours nous qui serons condamnés à diffuser pour rien, pour personne, et puis ouais, et puis les autres dont je ne citerai pas le dont je ne citerai pas leur pseudo sur mon live, enfin sur ce live-là, moi, bah eux ils vont ramasser toute la gloire. Ils vont ramasser toute la gloire. Hein? À mon avis, dans quelques temps, on va les voir à 600, 1000, 2000 abonnés, 2000 spectateurs, 3000 spectateurs. Un chiffre qui correspond à rien, quoi. Qui correspond pas à la réalité, mais bon. Ça va être ça maintenant. Ça va être ça. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et comme je dis, c'est dans ces cas-là où... on remercie Mixer. Dans ces cas-là où on les remercie. Où on fait un grand sourire à la caméra et on dit merci Mixer. On leur dit bien, merci Mixer de nous traiter comme de la. Hein? Bah, c'est un peu ce qu'ils font, hein. Et là, c'est encore pire, hein. Parce que si leur fameux nouveau lecteur vidéo, ça sert à rajouter des spectateurs à ceux qu'on a déjà, et puis que ceux qu'on n'ont jamais comme moi, bah. Voilà. Ça va encore leur faire avoir plus de spectateurs qu'ils en ont déjà. Et puis nous, bah... Voilà. Et puis nous, bah, après tout... Après tout, on n'a pas de spectateurs, de toute façon, on n'en a jamais eu, donc... voilà. Voilà, voilà. Donc j'imagine que pour ceux qui auront des problèmes, ça me fait mal hein, quand ils disent si vous rencontrez des problèmes, adressez-vous, enfin qu'on s'adresse à eux. Mais les problèmes, ils les règlent pas.
Donc même si on a des problèmes, ils s'en foutent quoi. Donc les problèmes qu'on leur enseigne justement, ils s'en foutent. Tu vas leur envoyer un email, tu vas leur dire j'ai des problèmes avec ce mixeur, j'arrive pas à avoir ma diffusion, j'arrive pas, ils s'en foutent. Donc ils s'en balancent donc. Ils s'en balancent donc. Je vois pas en quoi ils s'en balancent donc je vois pas en quoi et leur dire quoi? Leur dire ah ben j'ai des problèmes etc. Ils vont dire bah eh ben c'est bien mais si vous avez des problèmes ils s'en foutent donc ils s'en balancent donc ils s'en contrefichent donc, tout ce qu'ils savent faire c'est tout ce qu'ils savent faire, c'est t'envoyer, c'est te répondre en disant, on vous remercie de nous avoir signalé le problème, et puis voilà, ça va pas plus loin. Donc ils s'en balancent, hein, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent. Hein. Donc, de toute façon, si t'es pas streamer pro, ils s'en foutent, de toute façon, ils s'en balancent. Il faut que tu sois pro, et encore même en étant pro, c'est même à se demander s'ils s'intéressent. Mais même s'ils sont pro d'ailleurs. Même ceux qui sont streamers pro, de toute façon. Ceux qui sont streamers pro, c'est pareil, hein. Ils s'en foutent. Hein. Les mecs, ils sont pas pro, ils s'en balancent. Hein. Vous avez des problèmes, bah restez avec vos problèmes et puis foutez-nous la paix. Hein. Ce que je dis, c'est violent, mais c'est pourtant l'arrêter. Hein. Donc, c'est parce que limite, vous avez des problèmes, mais nous aussi, on a des problèmes, donc. Donc chacun sa merde et puis faut une paix quoi. Hein? C'est un peu ça quoi. Ça me fait penser au début quand il y avait le. Quand tu voulais regarder un gars streamer sur leur site, et puis que tu voyais un espèce de. D'écran vert ou d'écran je sais pas quoi, et c'est resté pendant de très longs mois comme ça, sans que Mixer intervienne, sans que Mixer dise ah bah tiens, faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. C'est assez longtemps comme ça, hein. C'est assez très très longtemps comme ça. Hein. Et moi je leur avais signalé le problème et la seule réponse que j'ai eue de leur part, ça a été de me dire que ça venait de moi. Ça venait de ma connexion, ça venait de moi quoi. Mais eux, non. Ça venait pas d'eux. Moi quand j'ai vu ça, j'ai dit attends mais ils se foutent de qui hein? Dans ma tête, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, ils se foutent de qui, hein? Ils se foutent de qui? Et en fait, le problème, ça venait d'eux, mais non. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas leur problème, etc. Quoi, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent, hein. C'est même limite si tu payes, c'est même limite si je repaye 8 euros tous les mois comme je l'ai fait à une époque, c'est même à se demander si... C'est même à se demander si ça change quelque chose. Mais ils s'en foutent, hein. De toute façon, pour qu'ils s'intéressent à ton problème, il faut limite que tu
faut l'aimer quand il est en face de la lèche, donc. Mais comme moi je suis pas comme ça à faire de la lèche à Seneca, que je suis pas comme ça à leur faire de la lèche, et que je refuse de faire de la lèche, de toute façon. Il y en a plein de ces messieurs, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils font de la lèche à mixeur, bah ouais, bah. Ah merde. Ouais, bah. Qu'ils leur fassent de la lèche, mais en tout cas, moi, je leur ferai pas de la lèche. C'est sûr. Ils sont à l'aise. Putain, ils sont balèzes. Putain, ils sont. Putain, ils sont plus balèzes que les. Ah, en plus, j'ai ça en plus. Ah ouais, mais là... Ah mais les gars... Et donc, comme je le dis, chaque problème qui sont signalés sur Mixer, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en balancent. Hein. Ils s'en balancent. Si t'as des problèmes sur leur plateforme, c'est pas leur problème. Enfin, ça devrait être leur problème, mais ils s'en foutent. Hein. Ils disent, bah, vous avez ce problème-là, bah, nous on s'en fout. Enfin, ils s'en foutent quoi, ils s'en foutent littéralement quoi. Ils s'en foutent littéralement. C'est comme ceux qui font des. C'est comme ceux qui font des. Des. Comment t'appelles ça? Des. C'est comme ceux qui font des. C'est comme ceux qui font des codiffusions, c'est pareil. Avant moi j'en faisais des codiffusions. Mais quand j'ai vu que ça merdait, j'ai arrêté quoi. J'ai arrêté. Quand tu commences, quand tu actives ta codiffusion, qu'après tu retires, tu retires la codiffusion que t'as fait et que ça marche pas, et que ça veut pas s'enlever, que ça veut pas se retirer, pas la peine quoi. Moi à un moment donné, quand je fais une codiffusion que je me retire, j'aime bien que ça se passe. Le problème c'est que ça se fait pas quoi. Alors bon, je veux bien qu'il m'invente encore des trucs, il m'invente des excuses à moi. Mais bon, c'est un peu facile de dire, c'est un peu facile de dire. Je trouve que c'est un peu facile de dire que. Ils sont pour rien, c'est pas de leur faute, etc. etc. quoi. C'est un peu trop facile quoi. C'est comme si que moi j'étais pareil. C'est comme si que moi j'étais responsable d'une plateforme de stream. Et quand il y a un problème dessus, moi c'est pas mon problème, c'est pas mon problème, c'est pas de ma faute, c'est pas mon stream, c'est pareil quoi. C'est... À un moment donné, quand tu fais une plateforme, c'est à toi. À assumer quand il y a un problème. Les mixeurs, ils assument quoi, eux? Ils assument pas grand-chose. Donc,
Il suffit de voir quand il y a des mecs qui sont pro et que pro et ambassadeur de Microsoft, parce que normalement c'est des personnes qui doivent quand même être quand t'es pro et que t'es ambassadeur Microsoft t'es quand même censé faire en sorte que il n'y ait pas de problème et que tout fonctionne bien. Enfin, censé. C'est pas trop le cas de Mixer, c'est pas trop le cas de Mixer. Hein. Mixer, eux, Mixer, quand tu les écoutes parler, tout va bien pour tout va bien pour tout le, tout va bien, tout fonctionne nickel, y a pas de problème, etc. Quand tu les écoutes parler, c'est ça. Hein. Quand tu les écoutes parler, c'est ça. Y a pas de problème, tout fonctionne nickel. Ouais, sauf que dans la réalité, c'est pas ça, quoi. Sauf que dans la réalité, c'est pas ça. Mais bon. Comme ça. Là, par exemple, je sais pas si ça a marché, hein, mais. Je sais pas si ça a marché. Mais là. Ah, qu'est-ce qu'il me dit, là? Ah bon? De gros, j'arrive. Ah bon? Qu'est-ce qu'ils appellent par du gros jeu? Qu'est-ce qu'ils appellent par du gros jeu? Pouah, des gros jeux? DJ Squared, ça j'y ai joué. Ils appellent ça des gros jeux? Putain, j'ai déjà fait. Wolfenstein Youngblood. Ça, par contre, je sais pas. Je sais que j'en ai fait des Wolfenstein, mais je sais pas celui-là. Je crois que je l'ai pas fait celui-là. Je sais pas si je l'ai fait celui-là. Ah non, je l'ai pas dû faire celui-là. J'ai pas dû le faire celui-là, Wolfenstein Youngblood. Ah bah, en plus des autres jeux que je suis en train de. En plus des autres jeux là que je suis en train de télécharger, bah. En plus des autres jeux que je suis en train de télécharger, bah, je téléchargerai celui-là. Wolfenstein machin. Youngblood. Wolfenstein Youngblood. Non, j'en ai avoir des jeux à faire. Wolfenstein Youngblood, Sherlock Holmes, The Surge, du zombie là, machin, Army 4, là, je sais pas quoi. Donc pour en venir à ce que je disais de Mixer, leur nouveau lecteur là. Ah oui, attends. Je voulais voir un truc. Je voulais voir un truc. Alors normalement ça marche jamais. Hein. Normalement ça me dit ouais, ça bug. Ah, donc là ça marche. Donc la mise à jour qu'ils viennent de faire, ça fait ça, enfin, pour l'instant, hein, parce que je préfère pas trop m'avancer. Mais bon, a priori, ça a l'air de bien marcher, apparemment. Apparemment, faut pas trop faut pas trop dire ouais, youpi, c'est corrigé, parce que. Mais bon, ils ont quand même attendu un sacré moment avant de. Ils ont quand même attendu un sacré moment avant de se dire, ah bah tiens, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Ils ont quand même attendu un sacré moment. Alors, Final Fantasy, manque de bol pour eux. Manque de bol pour eux, Final Fantasy, j'y ai déjà joué, je l'ai déjà acheté. Donc un manque de bol. Manque de bol pour eux. Pour moi, c'est pas un gros jeu puisque. Pour moi, c'est pas un gros jeu puisque. Putain, fait chier ça.
Si j'avais eu l'hélicoptère avec moi pour le. Chier. Quand j'ai eu l'hélicoptère à la fin avec qui lance des missiles là. Chier. Puis le temps d'y aller. Puis le temps d'aller dans un point qui est proche du truc. Oula, attends, qu'est-ce qu'il dit? Attends. Oula, attends. Attends, parce que là. Salut, Alcatraz. Ah bah ça va, bah ça va, ça va. Ah, j'ai envie de faire un vieux jeu de mots, mais je le vois pas. J'ai pas envie. Oh, ce serait pas méchant, hein. Ce serait juste un petit jeu de mots pourri, on va dire. Un petit jeu de mots pourri par rapport à ton pseudo. Que tu sais que Alcatraz, c'est une prison. Et que Alcatraz, personne n'a réussi à s'évader. Donc mon petit jeu de mots pourri, ça aurait été de te dire, t'as réussi à... tu t'es évadé, ça y est? Je t'autorise à te dire que c'est pourri. Hein. Je t'autorise à me dire que c'est pourri. Hein. Des fois comme ça, j'ai des. Je me dis tiens, une petite blague à la noix. Ah, t'es évadé? Tu sais que pour la petite histoire d'Alcatraz, je crois que Al Capone y a fait un séjour. Assez court, mais il a fait un séjour à Alcatraz. D'ailleurs, je crois qu'il est mort. D'ailleurs, je crois que pour la petite histoire, que Al Capone est mort chez lui, d'ailleurs, je crois. Il est mort chez lui. Mais pour la petite histoire, il va quand même pas tenter de m'écraser lui. Il est con quoi. Il est con. Il a foncé dans le flotte, il est con. Il est con. Oh lui, c'est un suicidaire lui. Il est con lui. Il est con. Il est complètement con. Oh lui, c'est un suicidaire lui. C'est un suicidaire. Samedi de jouer avec toi. Bah samedi, bah ça dépend. Ça dépend quelle console tu as. Ça dépend quelle console tu as. Ça dépend ce que tu veux faire sur le jeu, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais oui, l'idée de jouer ensemble, oui, on pourrait essayer de le faire, oui. Mais moi j'ai la comment dire j'ai la oula oula mais moi j'ai la One X, j'ai la One X, alors rien que pour se parler ça risque d'être si t'as la PS4 ça risque d'être enfin je pense que t'as pas la PS4 parce que je crois pas que ce jeu on puisse faire du free to du crossplay, comme on dit. Donc, je suis pas sûr que le jeu fasse du multiplateforme. Je crois même pas qu'il en fait d'ailleurs. Je crois même pas d'ailleurs qu'il soit multiplateforme celui-là. Fortnite oui, mais je crois pas que Ghost Recon soit
sur un multi-plateforme. Si tu veux m'aider pour faire ce que je suis en train de faire là, si tu veux, oui. Je t'invite en groupe d'amis, tu rejoins ma partie et puis on peut essayer, oui. On peut tenter de le faire, oui. On peut tenter de le faire. On peut tenter. Ah putain. Mais bon, comme tu le vois, hein, je... Comme tu le vois, hein, je fais de l'exploration, hein, je fais pas de mission pour l'instant. L'émission pour l'instant, j'attends de faire toute la carte pour la faire après l'émission. Aussi bien principale que annexe, enfin que l'émission secondaire au moins. J'attends de tout bien explorer la carte pour le faire après. Mais oui, pourquoi pas, oui. Si t'as un compte Xbox, si tu joues sur la Xbox One, bah t'as juste à me donner ton pseudo. Je te recherche dans la liste, enfin je recherche et puis voilà. Je te cherche sur la Xbox et enfin sur la Microsoft et puis puis voilà. Et on peut tenter de se faire ça, oui. On peut tenter de se faire ça. On peut tenter de se faire ça. Putain mais. Vache. Putain les. Putain les. Les espèces de qui volent là, ils sont de plus en plus. Je sais pas si c'est les mises à jour qui a fait ça, mais putain avant. Ah. Dieu. Et ça. Et ça. En plein dedans. Un des nôtres. Et moi aussi je me concentre. Et merde. Ah putain. Putain mais ils sont combien les mecs là? Putain c'est la fête. Un dieu c'est la fête. Ah ouais merde. Ah ouais attends c'est la fête. Ah ouais, mais Jésus, c'est bien, c'est la fête. Ah ouais. Mais toi, c'est la fête. Mais Jésus, c'est bizarre, c'est la fête. Ah ouais, c'est la fête. Putain. J'ai touché l'ennemi. Putain, il lâche pas, mec, hein. Waouh, mais attends, mais ils sont combien, les mecs, là? Ils sont combien les gars? Putain ils sont... Dieu. Mais je sais pas où il est. Il est où? Il y aura une belle
Miu. Ah. C'est bien, mais c'est... Mais c'est quoi ça? C'est un zone d'essai des... Et on... Zone d'essai des... Driftwood Islet. C'est encore un nom à rallonge. C'est encore un nom à rallonge. Comme vous m'avez peut-être entendu le dire, demain il va y avoir un Wolfenstein, apparemment ça sera fait avec des filles, apparemment. C'est ce que j'ai vu sur l'image. Alors celui-là, je croyais l'avoir fait, mais non. Sur les... Comment dire? Sur les autres, par rapport aux autres jeux qu'ils ont mis, bah... Il y a Final Fantasy, bah... Que... J'ai eu l'occasion de jouer avec, donc voilà, je connais. Je connais. Alors peut-être que ceux qui n'y ont pas joué, qui connaissent pas. Moi je l'ai déjà joué, donc ça m'intéresse pas. Alors moi pour avoir diffusé dessus, pour avoir streamé dessus sur ce jeu-là, je me rappelle d'ailleurs, je crois qu'il y a... Je crois d'ailleurs qu'il y a une fille qui m'a regardé régulièrement sur le... Qui me regardait hier quand je dis dessus. Parce qu'elle aimait bien les Final Fantasy. Bon, ça va, c'est pas mal, hein, c'est bon. C'est un Final Fantasy, hein, c'est pas... Mais moi, pour moi qui suis pas spécialiste de Final Fantasy, j'aime bien. C'est un bon petit Final Fantasy, en français en plus, parce que demain, le jeu qu'ils vont mettre dans le Game Pass, il est en français en plus. Comparé à tous les autres Final Fantasy qui étaient en anglais, enfin en japonais, et c'était sous-titré en dessous, là ils ont fait l'effort de mettre ça en français. D'ailleurs, je crois que j'avais vu sur internet qu'ils avaient fait ça pour les fans et surtout les Français, parce que apparemment ils ont remarqué qu'il y avait pas mal de Français fans de Final Fantasy. Donc pour remercier ces fans là, ils ont décidé de pour nous remercier, quoi, de faire ce petit geste. Voilà. De faire ce petit geste. Bon, après, le seul truc qui me déplaisait sur ce jeu-là, c'est qu'au niveau de l'essence. Parce qu'au niveau de l'essence, au niveau de l'essence, fallait acheter l'essence. Ça, par contre, c'était un peu bof, ça, par contre. Ça, j'ai pas trouvé ça. Génial, quoi. Mais bon, hormis ça, c'était un bon petit jeu, quoi. Pas un bon jeu, quoi.
J'ai que d'ailleurs, j'ai même pas fini, hein. J'ai jamais fini déjà. D'ailleurs. Parce que je crois qu'à un moment donné du jeu, j'y arrivais plus, donc voilà. Mais pour ceux qui n'y ont jamais joué, pour ceux qui n'y ont jamais joué, je le conseille. Hein. C'est un bon petit jeu en France. C'est un pour ceux qui s'y connaissent en Final Fantasy, c'est surtout pour ceux qui connaissent l'histoire, parce que moi l'histoire des Final Fantasy. Alors là, même pas la peine de me demander de vous expliquer l'histoire, parce que même moi j'en sais rien. J'y connais pas suffisamment en Final Fantasy, donc j'ai pas risqué de me ridiculiser. Donc je préfère éviter. Mais c'est bien quoi. Pour les fans c'est bien, pour ceux qui s'y connaissent. Pour ceux qui connaissent Final Fantasy et l'histoire, c'est très bien. Bon, après pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose comme moi avec l'histoire, là par contre. Mais pour ceux qui s'y connaissent, ça devrait pas leur poser de problème. Enfin je pense, j'espère. Bon, alors attends, j'en suis où là? J'ai fait ça, je vais faire tout ça, j'ai le machin. Après, je vais pas attaquer là, je vais faire tous ces petits points là, parce que ça m'a pas l'air d'être. Enfin, a priori, j'espère, non? A priori. C'est quoi ça? Ingénieur à droite. Ça se trouve. Grimper dans le marbre. Ah oui, je crois que ça, c'est une mission qui fait que je fasse, il me semble. Donc, voilà. Donc si c'est bien, c'est un petit jeu, bon bah voilà, c'est un petit, pas un petit, c'est un Final Fantasy, voilà. Bon moi j'y connais pas grand chose sur l'histoire, mais... J'y connais pas grand chose avec l'histoire, mais. Pas un problème, ça. Je suis même pas sûr si je l'avais pas streamé sur YouTube. Je sais pas si quand j'ai commencé à streamer sur YouTube, si j'ai diffusé avant ou après de mettre. Aperçu que je pouvais streamer sur YouTube. Je sais pas si je l'ai fait avant ou après. Je crois que c'était avant. Parce que je crois même que c'était avant que j'ai mon PC. Donc si c'était avant que j'ai mon PC, c'était avant que je découvre stream, c'était avant que je sache qu'on pouvait streamer sur plusieurs chaînes en même temps en passant par stream. Donc c'était avant tout ça. Donc c'était dans mes peut-être dans mes débuts quand je streamais sur le mixeur. Donc très probablement, c'est même pas très probablement, c'est même sûrement très sûrement que quand j'ai commencé à streamer, c'était pas sûr. Bah, j'ai dû le faire que sur Mixer. J'ai dû le faire que sur Mixer. Ou bien Twitch. Je sais pas. Mais bon. On le saura pas parce que. Puis on n'est pas prêt de revoir la vidéo, le stream, puisque sur Mixer et Twitch, les vidéos sont effacées. Donc.
on pourra pas en avoir la confirmation. Mais il me semble, pas sûr, mais il me semble. Je suis pas sûr, mais donc, je vais pas raconter de conneries, mais il me semble bien pourtant qu'à l'époque, c'était encore à l'époque, bien avant qu'il y ait les autres, bien avant. C'était bien avant aussi qu'il m'arrive tous les pépins qui me sont arrivés sur Mixer, bien avant. C'était à l'époque où il y avait encore une bonne entente sur Mixer. Enfin, à peu près, c'était pas encore ça. C'était pas encore ça de la bonne entente, hein. C'était pas non plus une entente très cordiale non plus, hein. Mais bon, c'était, voilà, on va dire que à cette époque-là, quand j'ai diffusé sur ce Final Fantasy A, on va dire que ce mixeur, on arrivait encore à se supporter. Même si des fois c'était limite, mais on arrivait encore à se supporter. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, si j'en vois un seul qui se prend sur mon live, voilà. Donc, enfin, si j'en vois un des seuls des mecs que je peux pas blairer sur mon live, je l'enverrai pas bouler parce que c'est ce qu'ils veulent que je les envoie bouler, mais je leur dirai gentiment de se barrer. Hein. Mais à l'époque du Final Fantasy, voilà, c'était. Il y avait encore des bonnes personnes. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Il y avait encore des bonnes personnes. Voilà. Je dirais pas qu'il y avait de l'entraide. Parce que ce mixeur, l'entraide, il y en a jamais réellement eu. Maintenant, vous pensez. Il y en a jamais réellement eu. Mais comme je le dis et je le répète, ça fait 4 ans que je stream sur Mixer, on va dire, il y a 2 ans, on va dire, à peu près, je pense, au moins. Il y a 2 ans, ça allait. Il y a 2 ans, on n'avait pas envie de s'échirper quand on se voyait sur le live. On va dire, on se supportait. Même si dans mon cas, moi, les supporter, c'était dur. Pas pour certains, au moins. Pas tous. Mais, voilà. C'était pas la même époque. Ouais. Maintenant, ce mixeur, on a plus envie de s'échirper que... On a plus envie de s'échirper qu'autre chose. Que s'étriper, quand même, qu'autre chose. On a plus envie de s'exhiber qu'autre chose. Mais voilà. Moi j'ai pas envie de ça, j'essaie tout du moins de pas vouloir échirper, étriper du moins, étriper le premier que je vois sur mon live. J'essaye de pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a beaucoup de pourris sur Mixer, et il y en a de plus en plus. Mais voilà. Il y a encore des mecs bien. Même si malheureusement il y en a de moins en moins, mais bon, il y a encore des personnes bien, il y a encore des personnes qui sont pas là pour la gloire, on va dire, qui sont là juste pour streamer pour leur plaisir, enfin tenter de streamer au moins, parce que des fois c'est pas évident, mais il y a quand même de belles pourritures, et ces pourritures là moi je les veux pas sur mon live, mais bon je les veux pas sur mon live, mais je pense que c'est pareil, hein. J'ai pas besoin de dire qui pour moi sont des belles pourritures. Je pense qu'ils savent très bien de qui je parle. Donc j'ai pas besoin de.
J'ai pas besoin de faire un dessin. Je pense qu'ils savent très très bien de qui je parle. Comme on dit, j'ai pas besoin de balancer des pseudos. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Façon, je fais pas de la. Puis de toute façon, je fais pas des pirouettes, comme on dit. Enfin, ça c'est mes cas, hein, de toute façon. De toute façon, j'ai jamais fait des pirouettes. J'ai jamais fait des pirouettes à personne. C'est pas avec eux que je vais commencer à le faire. C'est pas avec eux que je vais commencer à le faire. J'ai jamais fait de pirouette à personne. Je vais certainement pas commencer maintenant. Je suis certainement pas commencé aujourd'hui. S'il y en a qui leur font des pirouettes, s'il y en a qui leur font des, s'il y en a qui leur font des pirouettes pour être bien vu de ces mecs-là, pour avoir des spectateurs quand ils stream, etc. Ça, c'est un problème, pas le mien. Moi, je reste tel que je suis. Ouais, j'ai pas besoin de, j'ai jamais eu besoin de ces mecs-là. Et je compte bien que ça reste comme ça, quoi. On m'a dit, chacun chez soi, et les vaches sont bien gardées. Parce que quand on sait venir sur mon live, quand on sait venir sur mon live et se barre aussi sec, parce que tout à l'heure je diffuse le PUBG, pareil, je dirais pas qui c'est qui est venu, mais bon. Ils viennent, ils se cassent. Tout ça parce que peut-être que la musique ne lui plaisait pas. Peut-être. Mais bon, je suis pas le seul à streamer comme ça. Hein. Il y en a plein, ils mettent de la musique en fond. Voilà, c'est pas. Mais bon. Comme d'ailleurs, je l'ai marqué en titre, subrepticement. Hein. C'était le mot que je. C'était le mot que tout à l'heure, je me souvenais plus. Hein. Subrepticement. Et j'adore ces mecs-là qui passent subrepticement. J'adore ces mecs-là. J'adore ces mecs-là. J'adore ces mecs-là parce que. J'adore ces mecs-là parce que bon, moi j'utilise. J'utilise SpeechChat donc je vois qui rejoint ma chaîne. Donc ils peuvent difficilement dire que. Ils peuvent difficilement prétendre qu'ils ne sont pas passés sur mon live. Parce que moi, je le vois sur mon live, c'est marqué. Hein, c'est marqué à tel argent votre live, enfin, c'est marqué quoi. Donc ils peuvent difficilement prétendre qu'ils sont pas passés. Mais ce qui me fait marrer quand ils font ça, c'est qu'ils passent sur mon live, ils font comme si, ils croient du moins, ils croient du moins, à tort, que je les vois pas, que je sais pas qu'ils sont passés mon live, mais si, c'est marqué. Donc. Comme une fois, il y en a un, c'est pareil, je ne dis, c'est pareil, je dirais pas qui. Je dirais pas qui. Mais il y en a un, c'est pareil, sur le mixeur, une fois, il rejoint mon live. Il rejoint mon live, il reste combien de temps? 2-3 secondes. Et après, il se barre. Et moi, je le vois sur mon chat, sur SpeechChat. Et je vais sur son live, le mec en question, et je lui dis, mais je t'ai vu tout à l'heure, t'es passé. Et la première chose qu'il me dit, c'était tellement pathétique que j'ai préféré pas relever. Il a dit, la première chose qu'il a dit, il m'a dit, non, c'est pas vrai, je suis pas passé. Donc j'ai fait le surpris, j'ai fait étonner, j'ai fait ah bon, t'es pas passé. Et de là je lui dis mais et donc de là je lui dis en limite en rigolant, je lui dis
Bah, il y a un problème parce que il y a un problème parce que tu dis que t'es pas passé, mais si t'es pas passé, ou alors il y en a un qui se fait passer pour toi, ou j'en sais rien. Et je lui dis, ou alors il y en a un qui se fait passer pour toi, ou je sais pas. Et puis de là, il me dit, puis là, il se reprend, et puis il me dit, ah si, si, je suis passé, mais je pouvais pas rester, je pouvais pas rester sur ton live parce que j'avais un problème de chat, je pouvais pas envoyer de message. Bref, je sais plus ce qu'il m'a raconté. Je sais plus ce qu'il m'a raconté comme, comme bobard, comme bobard, comme gros baratin. J'ai dit, ah bon? T'avais un problème, tu pouvais pas mettre des messages. Ah non, je pouvais pas mettre des messages. En plus, mon PC il rame, etc., etc. Donc, je suis parti de son live, puis j'ai pas. Bon, je suis parti de son live, et puis voilà. C'est pour ça que SpeechChat, moi, je le conseille à plein de monde parce que. Je le conseille à plein de monde parce que SpeechChat, ils peuvent pas prétendre qu'ils sont pas passés, quoi. Ils peuvent pas dire, ouais, je suis pas passé. Toi, tu peux lui dire très facilement, ah bah si, t'es passé, si, t'es passé. Je regrette, mais t'es passé. Sur SpeechChat, je t'ai vu, donc tu peux difficilement prétendre que t'es pas passé. Même si lui va dire le contraire, bah non, si, t'es passé. Marqué. Alors bon, lui, il va certainement dire, ouais, c'est pas vrai, je suis pas passé. Tu m'excuseras, mais sur mon chat, je t'ai vu, donc. C'est comme là, pendant que je suis en train de parler, il y en a un, là, Yaming, Yoning Cheese. Alors, je sais pas, j'imagine qu'il doit être en invisible sur mon. J'imagine qu'il doit être en invisible sur lui parce que ça me mesure ce bâtard. Mais il est là, il est bien présent parce que il est bien présent parce que c'est je le vois dans les spectateurs donc il est là, il est là. Pas un mot, il parle pas, il dit rien. C'est bah, c'est le genre d'exemple d'individu qui a ce mixeur quoi. C'est l'exemple d'individu que voilà que je préfère même qu'il vienne même pas sur mon live si c'est pour pas ça quoi. Et même pas de salut, même pas de yo, même pas rien. Et, si c'est pour faire ça, si c'est pour faire ça, pas, si vraiment c'est pour faire ça, c'est pas la peine de venir quoi. Autant pas venir. Hein. Franchement, si c'est pour faire ça, je peux le faire aussi moi. Je fais ce live de n'importe qui ce mixeur, je laisse je regarde streamer et puis je parle pas. C'est facile hein. Je peux faire pareil moi aussi. Hein. Je peux faire pareil. Mais bon. Comme ça. C'est comme ça. J'aime pas trop ça parce que c'est. J'aime pas trop ça parce que c'est. Ce mixeur, c'est. Il est là sur ton live, il parle pas, il dit rien. C'est presque limite s'il t'espionne pas. Enfin, c'est presque limite s'il attend pas que tu dises une phrase ou un mot ou un mot qui va interpréter, qui va dire aux autres que t'as. Enfin, il va interpréter il va interpréter de travers ce que tu dis. Enfin, ce que je dis en l'occurrence. Il va encore interpréter tout ce que je dis. Enfin, bref. Certains doivent peut-être croire que je suis parano, mais bon. Mais bon, quand on est sur le mixeur, il vaut mieux être parano que. Il vaut mieux être trop parano que pas assez. C'est ce que je dis souvent, mais il vaut mieux être trop parano que pas assez. Parce que je sais de quoi ils sont capables. Je sais de quoi ils sont capables. Parce que je sais de quoi ils sont capables. Ils sont capables du pire. Ils sont capables du pire. J'ai déjà testé leur j'ai déjà on va dire expérimenté je dirais leur
ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Donc je pense que je sais de quoi je parle. Je pense que je sais de quoi je parle. Et moi, quand je vois un mec comme ça sur mon live qui parle pas, qui dit rien, c'est pas. C'est pas bon signe généralement. C'est pas bon signe. Et c'est pas bon signe. Alors, Alcatraz officiel, c'est quoi ça encore? L'avion c'est plus en plus un mot, ça prend la violente. Encore un drame. Alors, Alcatraz officiel. Pareil, il m'a demandé de jouer avec lui, mais apparemment. Bon, tac. On va voir qui c'est ce. Ce. Tu as commencé son truc? Yoding Cheese. On va voir ce que c'est ce monsieur. Ce cher monsieur. On va voir qui c'est ce cher monsieur. Alors, Yoning. Attendez, je marque ça. Yoning. Puisqu'il parle pas, il dit rien. Yawing. En plus, il y a un rallonge. Attends. Oh putain. Non, c'est quand même. Yoning. On va peut-être le faire parler. Peut-être. Ah, pas Yon. Putain. Yoning. Ah. J'ai m'écrit. Yoning. Cheese. Alors, cheese avec un masque. Cheese. Oh, je suis sûr qu'il va parler. Cheese. S'il est pas trop con. Cheese. Unique Cheese 80. On va voir. Alors, est-ce qu'il stream? Il stream pas, évidemment. Alors des fois, alors ça c'est pareil, hein. Je suis peut-être parano, mais bon, voilà. Alors des fois, je me dis comme ça, des fois dans ma petite tête, je me dis si c'est pas des bots. Des bots que les autres m'envoient pour dire, pour m'espionner, quoi. Pour dire, bah tiens, des bots ou des gars, tu sais, qui sont envoyés par les mecs que je peux pas blairer. Pour dire, bah tiens... S'il dit un truc, tu me le dis, etc., etc. Oh bah c'est de l'espionnage, hein, tout bonnement. Hein. C'est de l'espionnage. C'est de l'espionnage. On sait jamais, si je dis un truc qu'on prend mes temps, on sait jamais. Hein. On sait jamais. On sait jamais si je dis un truc qu'ils font, qu'on prend mes temps sur eux. On sait jamais, hein. On sait jamais. On sait jamais. J'ai peut-être aimé les mires là, non? Non? C'est quand même un petit peu. Hein. Ça a fait un peu sombre. Oula, attends, c'est quoi ça? Oh putain, ça va, ça va. Alors, tu l'as fait le Terminator? Parce que je t'ai pas vu hier, j'ai pas. Hier, j'étais pas en train de jouer. Enfin, hier, je me suis. Hier, je me suis. Je me suis mis. Je me suis donné une petite journée de repos pour le stream. J'ai allé. C'est pas parce que je vais pas. C'est pas parce que je vais pas streamer, ça va. C'est un drame. Donc
Je me suis octroyé, hein? Le quoi? Le like? Quel like? Le like? Quel like? Le like est posé? Quel like? C'est le pouce le like, non? C'est le pouce bleu? Je me disais que. Ah non, hier je me suis un petit peu mis. Je me suis allé. Pas parce que je vais pas stream aujourd'hui, hein, ça va être un drame. Hein. Donc. Ah ouais, c'est. Ouais, tu rigoles, tu rigoles. J'y connais rien, moi, avec ces termes techniques. C'est marrant, toi, le like. C'est drôle. Mais, c'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ma grand-mère. Ça me fait penser à ma grand-mère quand tu lui disais. Quand tu lui parlais d'email ou d'email ou de machin ou Facebook, tout ça, il dit c'est quoi ton truc là? C'est quoi ton truc là? Ah ouais, mais bon. Avec vos termes là, like. Ouais, mais bon. Tu sais, moi je suis. Il faut que je m'habitue avec ces termes là, moi. Hein. Et like. Faut que je m'habitue, moi. Bah oui, hein, c'est un. Bah oui. Tu rigoles, mais tu rigoles. Bah oui. Bon, je suis pas encore grabataire, mais bon. Je suis pas encore un vieux grabataire qui sait pas. Qui sait pas de. Qui. Comment dire, merde. Qui sait pas à lui-même, mais bon. Hein? Ah bah non, enfin. J'espère pas, du moins. J'espère pas. J'espère pas. Donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc hier je me suis fait un petit peu de pause, un petit peu une pause. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je me suis pris 3 jeux à télécharger. Ils sont bon, là, j'ai mis en pause parce que je suis en train de diffuser, mais quant à l'heure je vais attendre qui là je vais encore faire le point d'interrogation là-haut et puis je vais sûrement arrêter. Puis je vais reprendre les jeux que je télécharge. Bah attends, je vais te montrer. Mais en pause là. Attends, je vais te montrer ça. Tac 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 tac. Il est où le truc? Il est où l'accueil? Attends. Hop, tac. Bon, c'est en pause, hein, c'est pas. C'est en pause. Hein. Mais je reprends ça tout à l'heure quand je vais arrêter. Ah, zombie. The Surge. Et Sherlock Holmes. Hein. Voilà. Sherlock Holmes, je croyais que c'était une. Je croyais que je l'avais déjà fait, mais non. Apparemment, ça a l'air d'être à nouveau. Apparemment. Sherlock Holmes, The Surge, puis Zombie Army. Voilà. Puis demain dans le Game Pass, ils vont mettre. Et demain dans le Game Pass, ils vont mettre un Wolfenstein. J'ai vu ça sur mon téléphone tout à l'heure. Ils vont mettre un Wolfenstein qui apparemment c'est une fille. Apparemment. Ah bah ouais, bah c'est quand je peux me faire plaisir, je me fais plaisir, mais quand je peux pas, je peux pas. Hein. Ouais, donc ils ont. Je sais plus quel Wolfenstein. Enfin, je sais pas si t'as. Je sais pas si t'as la même application que moi sur ton téléphone. J'ai vu ça sur jeuxvideo.com. Ils vont mettre. Ah putain. Un Wolfenstein, mais à nouveau, apparemment, qui est sorti là en 2020. Et quoi encore? Ils vont mettre Wolfenstein, ils vont mettre un Final Fantasy, donc moi j'ai déjà joué. Donc, m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et ils vont mettre. Un jeu que j'ai aussi joué avec. C'est avec des espèces de carrés. Et ça, c'était un jeu que j'avais pas mis dans le Game Pass, mais ils avaient mis en jeu Gold, je crois. J'avais joué à ce jeu, d'ailleurs, c'était pas évident, c'était un jeu que j'avais pas fait totalement. D'ailleurs. Ah, je sais plus le nom du jeu, je sais plus. Mais le seul jeu qui va m'intéresser, c'est le. C'est Wolfenstein. C'est Wolfenstein. Apparemment, c'est même pas Wolfenstein 3. C'est. Parce que j'ai joué à Wolfenstein 2.
Et celui-là, apparemment, c'est... Alors, je sais pas si c'est la suite. Je sais pas. En tous les cas, ça se... En tous les cas, ça s'appelle pas Wolfenstein 3-2, gars. Apparemment, c'est avec des filles. Apparemment, a priori. Ça va être féminin. Comparé aux autres Wolfenstein. Ah, je sais pas. Oh putain, maintenant je peux grimper là-haut. Oh là, tu casses bonbon là. Bon. Zombie ami, j'ai failli le prendre hier. Ah, t'as failli. Tu n'as que failli. Bah, Zombie Army, je crois que j'ai dû faire. Bon, celui-là, c'est le 4, mais je crois que je suis pas sûr, mais il me semble que j'en ai fait un Zombie Army. Il me semble. Parce que c'est Zombie d'Hitler. Il me semble que j'en ai fait un Zombie Army. Il me semble. Alors, je sais plus lequel. Je sais plus le combien de thèmes que j'ai fait, mais en tous les cas, je suis sûr que j'en ai fait un. C'est peut-être le 1 ou le 2. Peut-être. Je sais plus. Mais il a l'air pas mal celui-là, le Zombie Army. Apparemment, c'est des missions en ligne. Pas en ligne, mais des missions. T'as une histoire, apparemment. Tu peux faire ça à plusieurs. En coopération. Apparemment. Parce que j'ai regardé une vidéo tout à l'heure sur. J'ai regardé une vidéo vite fait tout à l'heure sur YouTube. Pour voir s'il y en avait qui avaient joué puis qui avaient diffusé dessus. Enfin, qui avait diffusé, qui avait fait du gameplay, qui avait diffusé le gameplay. Et apparemment, ça, bon, ça a pas l'air d'être trop mal, a priori. Ça a pas l'air d'être trop mal. Bon, je sais pas si ça va être comme un... Je sais pas si ça va être comme le zombie qu'il y a sur Black Ops. Je sais pas, ça. Hein. Peut-être, hein, je sais pas. Ça... Peut-être. On verra demain, de toute façon. On verra demain. Je mettrai ça à télécharger la... Bah là, de toute façon, là, je vais au point d'interrogation, parce que ça m'a... Il m'a l'air d'être chiant, il m'a l'air d'être chiant à trouver, ce point d'interrogation, hein. Et puis, puis on verra, hein, de toute façon, hein. On verra. On verra. On verra bien à quoi ça va ressembler. Ce zombie army. Pareil pour Sherlock Holmes, j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler ce Sherlock Holmes. Par contre, avec ce Sherlock Holmes, les voix vont être en anglais et ça va être sous-titré. Ça, par contre, c'est moins bien ça. Ça, par contre, c'est moins bien. C'est moins bien. Ils auraient quand même pu faire l'effort de. Ils auraient quand même pu faire l'effort de. Ils auraient quand même pu faire l'effort de. De comment dire de. Ils auraient pu faire l'effort de mettre les voix françaises. Parce que je sais qu'il y a. Je sais qu'il y a un Sherlock Holmes, j'y avais joué moi, ils avaient. Ah, puis il y a aussi un jeu aussi que je me prendrai plus tard. C'est Hercule Poirot. Est-ce qu'il y a aussi un Hercule Poirot? J'ai vu ça la dernière fois sur le marché Xbox. Et Hercule Poirot qu'il y a aussi. J'ai bien les jeux d'enquête comme ça. J'ai bien les jeux d'enquête policière comme ça. Hercule Poirot, Sherlock Holmes, ça. J'ai bien ces jeux-là, moi. Bon, c'est pas des grands grands jeux, hein, parce que c'est des, bon, c'est des petits jeux qui durent pas longtemps. Là, apparemment, sur ce Sherlock Holmes, il va y avoir 6 enquêtes, apparemment, 6 affaires. Bon, généralement, moi, je sais que c'est pas le premier Sherlock Holmes que je vais faire. J'en suis pas à mon premier. Généralement, c'est, ouais. Si, c'est bien, c'est bon, ça change un peu des autres jeux, quoi. Ça change un peu des autres jeux. Des autres jeux. Bon, bah écoute, Captain Elbator, moi je vais arrêter là.
je vais à 7h que je vais reprendre. Ou peut-être à l'heure, ou je sais pas, on verra. Et je sais même pas encore comment je vais monter là-haut. Je sais pas par quel miracle je vais quand réussir à monter là-haut. Puis bah j'arrête là. Je vais mettre là à télécharger Zombie Army. Il reste plus que 4. Je vais peut-être. Ah, c'est pas sûr. Hein. Je mets les précautions quand je dis ça. Je vais peut-être. Si c'est fini là, quand je vais prendre un point tout à l'heure pour manger. Si la mise à jour elle est finie. Si j'ai fini, je vais peut-être y jouer. Peut-être. C'est pas sûr. Je mets bien le. Je suis prudent, je mets bien le peut-être. C'est pas sûr. Peut-être. C'est pour ça que j'arrête là. Et puis, bah, voilà. J'imagine que vu la clé, t'es sûrement à ton boulot, j'imagine. Donc, bah, bonne soirée. Amuse-toi bien. Puis voilà. Puis voilà. Puis comme il y a l'hélicoptère, on va mettre en pause. Et puis voilà. Allez, hop, j'arrête là. Tac. À une prochaine fois, Captain Alberta, et merci pour ton like, ton pouce bleu. Tu vois, moi aussi, je te fais un pouce. Mais sauf que le mien, il est pas bleu, le pouce. Il y a un pouce simple comme ça. Voilà. Moi, je te like, mais à ma façon, je te like, moi. Voilà. Allez, Captain. Travaille bien. Passe une bonne soirée. Et puis, sûrement, peut-être à une prochaine fois. Allez. Tac. Tu vois, tu veux que je me rapproche de la caméra? Allez.